Moi je pense que c'est cool. C'est cool. Il y a beaucoup de monde et tout, et ça donne envie de la refaire un beau spectacle. Donc, ça va être pas mal. Ça va être bien, ça va être bien. J'avais déjà vu un peu, mais y être sur le podium, là, devant tous ces gens qui sont là déjà un jour avant, et on voit qu'ils sont heureux d'être là, qu'ils ont envie de voir une belle fête, de voir un beau tournoi, et ça fait plaisir, vraiment, ça fait plaisir. Supporter qui ? Ah, monsieur, monsieur Paris, moi Montpellier. Mais bon, si Paris gagne, je suis pas... Si Montpellier gagne, voilà. Vous avez eu qui en autographe ? Karabatic. Sur le bras. Ouais. Tout cela pour l'instant. Voilà. Ça fait plaisir de passer un moment sympa avec les fans. Normalement, ouais, toutes les choses, ça commence. Ça fait vraiment chaud au cœur. Et c'est ça qui est génial. On voit des gens venir d'un peu partout en Europe, nous soutenir, nous dire un mot, nous encourager. Et on voit même des Nantais, des Montpelliérains qui viennent nous demander des autographes, des photos. Et c'est beau, c'est ça le sport aussi. Et nous, ce qu'on fait sur le terrain, c'est pour leur donner du plaisir. Et ça, c'est le retour. C'est vraiment la mecque du handball, pouvoir se qualifier pour une troisième fois d'affilée. On est extrêmement fiers. C'est sûr qu'à la veille d'un week-end comme ça, le seul objectif, c'est de gagner. Mais je pense qu'il faut aussi regarder le parcours qu'on a fait. Et c'est déjà une très belle chose d'avoir atteint la troisième fois. On a quelques Allemands, on a quelques joueurs à manger en Allemagne. On a Kirill aussi. C'est quand même un gros joueur macédonien. Et puis on a un peu les outsiders. Donc, vu qu'il n'y a pas d'équipe allemande, c'est bien que le public trouve une équipe pour qui ils vont prendre des causes. Donc, autant que ce soit nous. Hein. Final Four, on n'a jamais vu ensemble, mais on l'a gagné ensemble. Avec qui là ? On était allemand à l'époque, sous drapeau allemand. Non, on est sous drapeau français. On a fait ici un bon match ici contre Gommersbach. C'était il y a combien de temps ? 10 ans, 12 ans ? Plus. Ah ouais, 12 ans ? 12. On est vieux, hein. Et la solution, le premier break dans cette partie avec
cette demi-finale. Ça fonctionne parfaitement, mais c'est nous là présent. De la Karabatic. Et la Brémili. En confiance, Nedim Brémili. Depuis son tir précédent, le H a été immense dans cette première période. 17 buts marqués. 17-14. Paris fait la course derrière. Aller sur Paris. Ouais, on a eu la pression, on l'a dans la main, on la voit. On l'a subi pas, donc on va les avoir à l'usure. On va tenir. C'est plus intense comme ça, c'est meilleur. Énorme erreur de Lucas Ballon et c'est David Balaguer qui en profite une nouvelle fois. Une punition offerte aux Nantais de la part des Parisiens. On est pour qui là maintenant? Liverpool. Liverpool, bien sûr, Real. Liverpool. On est pour les outsiders. Les outsiders. Oh, bravo, brate. Là, c'est la folie, cousin. Tu te rends compte ou quoi? C'est pas fini. C'est pas fini. Il va falloir se calmer, se reconcentrer. Voilà, c'est ça. Se remettre en même temps, bien bosser. Franchement. Mais c'est quand même le c'est la folie. Là, c'est la folie. Il dit que tu sors de mon corps. Là, je peux taper dans le dos. Là, vas-y, gros. Oh, Romano. Au sommet, frère. Cyril a sorti les trois ballons qu'il fallait et je pense que c'est de toute façon c'est le gardien qui fait la différence dans ce genre de match. Il s'est battu pendant 60 minutes en défense à les embêter sur leur jeu placé et je pense qu'ils ont souffert là-dessus et ils ont usé beaucoup aussi d'énergie, même si nous aussi on en bave en défense, mais c'est super et je pense que demain ça va être encore magique. Bien sûr, la main grosse. Non. Et si c'était vrai? C'était vrai. On est vraiment, vraiment, vraiment contents. Mais comme tu vois, il n'y a pas trop de bruit parce que personne ne réalise, à mon avis, ce qu'on a fait ce soir. Ils pensent que c'est le trophée des champions en France. Je n'ai pas compris. Mets le son, bébé, mets le son. Mets-moi le son.
Ok, bon, ouais. Mon mec. Oh putain, bordel. Oh là là, bordel. Oh là là. Oh là 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 là. Bordel. Bordel, et si c'était vrai? Et si c'était vrai? Et si c'était mon vieil? Oh là là. Ah, en plus, je vous ai dit qu'on allait gagner. Eh, j'ai dit qu'on allait gagner, on était le 26 mai, les gars. 26 mai 93. Hein. Jamais les premiers. À jamais les premiers, gros. Jamais les premiers. Tout le monde a fait un match énorme. Donc, franchement, c'était énorme. Il n'y a pas d'autre mot, je crois. Vas-y, mec. Promis de s'aimer pour la vie, mais je suis fatigué. Oh là là, j'étais passé. Mon cœur a trop dépensé. On a un match encore demain, mais il faut peut-être un petit peu qu'on est en finale. Parce que c'est incroyable cette équipe. C'est incroyable, c'est une équipe de potes. On a réussi à arriver en finale de Ligue des Champions. Donc voilà, c'est impressionnant ce qu'on a fait. Mais maintenant, on fait un petit peu. On prend la douche, on récupère bien parce que demain ça va être dur. Maman, demain c'est la fête des mères. T'aimes maman, moi. Mais c'est pour direct. Mais je m'en fous, ça passera. C'est vraiment un relou lui. C'est un qui est jaloux. Il est jaloux. Il est trop jaloux. Ça nous va très bien de ne pas être favori. On est des lâches rien, on est des combattants, on n'est pas les plus talentueux, mais bon, on lâche rien d'un tout comme ce soir encore. Et pour l'instant ça nous sourit, donc voilà, si ça pouvait nous sourire jusqu'au bout, franchement, je prends direct. Quand on gagne, c'est plus facile d'aller dans le bain froid. Dis-nous, Roman, après ces matchs comme ça, est-ce que tu penses que tu vas trouver un copine? Ouais, oui, je pense. Mais j'ai déjà une copine, c'est compliqué du coup. Oh, c'est une bonne réponse. D'abord, t'as dit. J'ai déjà la copine. Et toi, là, quoi, tu vas trouver un club? Non, pas de club, pas de copine pour moi. Juste de voir, j'ai gueulé. On a tout poussé derrière, c'est extra. Ah non, faut pas s'arrêter là. Qui on joue, mais Montpellier m'a l'air bien parti. Ça serait bien, Montpellier? Je sais pas ce qui serait bien. C'est juste que... Bah pour le handball français, ça serait bien sûr, mais c'est juste de jouer l'équipe qui va pas nous gagner. Non, voilà. On finit de regarder les matchs. Tu repars, préparation de match, et dodo. Et c'est tout. Allez. Cette entame de seconde période, vraiment c'est absolument essentiel, ne pas laisser le Vardar prendre les devants. Oh mais il est fantastique! Il marche sur l'eau, Melvin Richardson! Le
attention, le tir à l'arc, pleine tête de Vincent. Diego Simonet. Après le titre de 2003, va tenter de retrouver les sommets. Ce sera une finale franco-française pour un bonheur absolu et intense. On a croisé les supporters là pendant tout le week-end. Ils sont très sympas, on s'est bien régalé avec eux. Nous sommes le seul club français à avoir gagné des champions d'Europe comme il y a quelques années maintenant. Voilà. Donc on voudrait rééditer l'exploit. On est comme chez nous. Je crois que c'est la meilleure ambiance que j'ai connue pour un rassemblement de handball. Première fois que je viens. Incroyable. On a passé une journée d'hier magnifique. Une soirée de dingue. Et c'est reparti aujourd'hui. On n'a pas hâte de rentrer chez nous. Ce match pour la troisième place, 15-14 en faveur du Varda.
Firmament européen. C'est à suivre sur Beansport.
c'est beau. Ça a failli nous échapper un moment encore et on a réussi à rester solide. Donc là, c'est beau le sport. J'ai pensé à tout plein de choses toute la semaine. Donc là, j'ai gagné le droit de penser à rien. Elle est monstrueuse, mais elle est proportionnelle à tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'on a donné avant. Elle est proportionnelle à la fierté que j'ai de cette équipe. Ils ont été meilleurs que nous et leur victoire, ils l'ont mérité. Hein. Donc après, tout le mal que je nous souhaite, c'est de revenir. C'est le métier qui rentre, hein. on va continuer à apprendre. Je pense qu'on a été un peu naïf sur cette finale, un peu tendre. Pas vraiment ce qu'il dit et moi non plus. On a gagné avec des champions, c'est un truc de malade. Quoi, on fait un foot? C'est la plus belle médaille d'or parce que c'est ma première en club et en club, t'es tellement heureux depuis le 23 juillet, tu te fous sur la gueule, tu voyages, tu ris, tu pleures avec tes potes et gagner un truc avec les potes pendant un an là, c'est juste fabuleux. Ça fait du bien. C'est maintenant que ça arrive le mieux parce que là, normalement je pleure quand je suis très mou, mais... Là, je n'ai pas pleuré encore, donc c'est maintenant que tout ça va tomber. Je vais profiter maintenant. Madeleine, allez, tout cagnole. Madeleine, allez, tout cagnole. Allez, tout cagnole. Allez, tout cagnole. Les mots héros. Les mots héros. Je suis tordu. Je suis tordu.